Eh bien, merci et gratitude à toi, Mo, pour ce passage, et ou plus exactement pour ces passages, puisque je m'y suis repris à deux fois. Oui, j'avais une haie un peu plus difficile à franchir. C'était peut-être pas le moment la première fois. Ça y est, c'est fait, elle est passée. Ça durait depuis un moment. À ce propos, je voulais te remercier également d'avoir su t'adapter ou, je dirais, avoir été fluide avec ce que je dirais ma lenteur ou disons mon besoin de décortiquer, d'aller au fond des choses et des idées. Et merci de m'avoir fait un accompagnement un peu plus spécifique et personnalisé pour cela. Alors ce passage m'a permis de regarder mes peurs en face, de les dépasser, de sauter allègrement au-dessus de certaines et de les transformer en envie. Et voilà, c'est vraiment le fait d'arriver à repositiver certaines croyances, certaines histoires qu'on se rencontre et les voir sous un autre angle que je retiens. Je retiens ou j'emmène dans ma besace pas mal d'outils. Bon, dont certains que je vais utiliser tels quels, d'autres qui m'ont inspiré à en inventer d'autres ou que j'ai adapté. Et besace qui a été nourri aussi par les autres passagers. Et c'est ça aussi la spécificité de ce passage, voilà, l'importance des autres. J'ai eu la chance de tomber sur de très belles équipes au premier et au second passage, avec une qualité d'écoute importante, du courage à se livrer, à partager aussi des choses très intimes ou très difficiles à dire. Et dans ce partage, nous sommes très aidés par Mo, qui agit un peu comme un chef d'orchestre ou un modulateur d'énergie et de mots, et qui arrive, je dirais, à créer beaucoup de synchronicité ou de connivence. Voilà, c'est vraiment ça, c'est ce qui semble être un exercice individuel devient presque enfin devient un sport collectif. Et ça me fait penser que va falloir peut-être inventer une épreuve du 4 x 100 mètres et relais. Enfin, voilà, je t'exprime ma gratitude moi aussi pour m'avoir aidé à créer une enveloppe protectrice, mieux me mouvoir dans ce monde et trouver, retrouver mes voix, voix VOX et voix VOIE, aller sur les chemins de l'écriture, en sachant que je peux aussi me baser sur la voix. Et cette complémentarité est très importante dans mon histoire, donc je t'en remercie de l'avoir mise en lumière. Voilà, et puis je te remercie de m'avoir appris à à me redynamiser et toute cette énergie et tout le charisme que je mettais au service des autres, j'apprends à m'appuyer dessus pour moi-même. Voilà, sans oublier les autres, bien sûr. Donc, Mo, je te remercie.